Allô tout le monde, alors je suis Diane Dupré-Boulot. Alors pour la rentrée du 12 janvier 2024, j'ai enseigné une danse intermédiaire qui s'intitule Enqueton Minute. Donc ça va comme suit avec les plans. Alors, première séquence, si je t'en appuie sur le pied gauche, alors je fais un stomp out, crochet, ramène, un swivel. Ensuite, la deuxième séquence, si je fais un éventail avec une pause, pause un quart de tour, et ensuite je fais un tour militaire, je ramène avec une pause. Troisième séquence, si je fais un rock step de côté avec un kick, carré, jazz avec stomp, stomp. Dernière séquence, si je fais une vigne quart de tour, un quart de tour avec un quart de tour scuff et je termine les quatre derniers temps avec un, c'est comme un coup de guitare, donc je fais un point talon en jouant de la guitare. Donc sur les comptes maintenant. Alors, sur les comptes, ça donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, il y a un restart au 10e mur. On fait les 16 premiers temps et on recommence la danse. Alors, pour vous donner un indice facile, lorsque vous arrivez sur le mur 10, vous allez être sur le mur de 3 heures. Donc, vous allez faire stomp, stomp, crochet, crochet avec un éventail. Et vous vous retrouvez sur le mur de midi et vous repartez la danse. Stomp, stomp. Pour vous aider à reconnaître le mur 10, il y a un solo de guitare, de musique, si vous voulez. Et puis, quand il recommence à chanter, il va faire « Yeah! » À ce moment-là, vous vous retrouvez direct sur le mur de midi et c'est le temps de faire votre restart. Alors, c'est un indice facile à retenir. Pour les variantes, ben quand vous faites les pas pointe-talon, pointe-talon, vous pouvez jouer de la guitare, comme on dit. C'est amusant. Il y a aussi une autre variante qui peut être amusante, c'est quand que vous faites le... Quand on fait le rock step, kick, carré, jazz, au lieu de faire stomp stomp, vous pouvez sauter, sauter et faire votre la suite. Alors, bonne pratique!